Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour faire une mini pocket letter. Celles qui sont sur mon groupe Facebook Camille Scrap Fan, vous avez vu, j'ai lancé les défis pour le mois de septembre. Et un des défis, c'est de faire une création, une mini pocket letter. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'une pocket letter? Vous avez une petite vidéo sur ma petite chaîne, vous faites playlist tuto et vous allez tomber dessus. Là, je demande une mini pocket letter, c'est-à-dire que la pocket letter, c'est-à-dire la feuille qui comprend 9 cases, on la coupe et on a une feuille qui comprend 3 cases. Voilà, c'est plus facile et ça permet de l'envoyer. Oui, je l'ai encore, celle de la dernière fois que je vous ai montrée, hein, puisque elle n'a pas encore été gagné, voilà. Et là, vous avez que 3, comme ça permet de faire plus d'échanges, plus sympa, moins cher, parce qu'une petite pocket letter, une mini pocket letter, on peut faire quelque chose de léger et qu'on peut mettre qu'un timbre aussi. Oui, c'est important. Alors, le thème de la mini pocket letter, bien évidemment, il y aura un petit tirage au sort sur mon groupe Facebook et la gagnante recevra la mini pocket letter que je vais faire devant vous. Ou l'autre que j'ai déjà fait, puisqu'elles vont être similairement les mêmes. Aujourd'hui, on va en profiter. Donc, je vais utiliser ce tampon que j'avais eu pendant les soldes à Cultura. Donc, le thème, c'est avec le J, jonglage. Et je vous ai laissé quand même une deuxième porte, jungle, pour celles qui n'auraient pas effectivement eu cette planche de tampon ou d'autres planches de tampon pour faire quelque chose de jonglage. Voilà, je rappelle que bon, j'ai eu, vous le savez, un mois de septembre, un début de mois de septembre un petit peu difficile puisque ma collègue est partie en vacances, je l'ai remplacée, j'ai été un peu fatiguée, donc je vais être tolérante. Encore une fois, mais je ne le serai plus les fois d'après, puisque les défis, ce qui est important, c'est de vraiment les respecter et pas vouloir vraiment absolument faire le défi et de faire un petit peu à son, comment dire, de faire sa tête de mulet, hein? Voilà, donc quand je dis jonglage, il faut forcément qu'il y ait des jonglages. Et quand je dis jungle, il faut qu'il y ait des animaux de la jungle. Donc là, voilà, je vais être cool pour ce mois-ci, mais il y a des animaux qui sont de la savane et qui ne sont pas de la jungle. Même si dans Le Roi de la Jungle, on voit quand même beaucoup d'animaux de la savane, il y a quand même, voilà, hein? Je veux bien être tolérante. Le lion, effectivement, je vois pas trop comment on peut le retrouver dans la jungle, mais c'est le roi de la jungle, donc on va être tolérant. Je n'ai jamais vu de zèbre dans la jungle, je n'ai jamais vu d'autruche non plus, je n'ai jamais vu de girafe, je les vois dans la savane, voilà. Mais je vais être cool, vous savez comment je peux être gentille. Voilà, mais pour les fois d'après, je ne le serai plus. Alors je dis ça, mais au mois d'octobre, ça sera un peu spécial. Mais après, voilà, essayez de vraiment ne pas vouloir faire trop vite et puis faire vraiment réfléchissant le défi, c'est important. Hein, c'est le but, c'est que ça soit un petit peu difficile. Allez, moi je vais faire jonglage. Ma mini pocket letter, je vais couper donc en 3. J'ai découpé donc 3 petites pages. Donc ce n'est pas 3 ATC qui se suivent. Hein. On peut, mais ça n'est pas. Voilà, ce n'est pas le but de la pocket letter. Donc 3 petites cartes sur du papier aquarelle. Petite aquarelle hein, de 100 grammes. Que je vais faire un tout petit peu d'aquarelle. 6,4, pas 8,9. Je vous rappelle aussi toujours que dans ma playlist en haut, hein, ou en bas, attendez, je réfléchis. Je ne sais plus si c'est en haut ou en bas. En bas, c'est la barre d'infos. En haut, vous avez ma playlist, hein, où il y a marqué, donc vous allez dans playlist, et là, vous allez avoir plein, plein de choses. Et vous avez un petit icône qui s'appelle ATC. Donc, vous pouvez retrouver des petits modèles pour faire des ATC de différentes façons. Celles qui auraient envie de faire des ATC, mais normalement, la pocket letter, il n'y a pas besoin. J'ai sorti la petite aquarelle pastel, puisque voilà, je voulais faire un tout petit fond face et hyper facile pour vous montrer. Donc, je passe ma main devant. Des choses vraiment qu'il n'y a pas besoin d'être. C'est surtout pour vous montrer que voilà. Ne vous prenez pas la tête. Il y a des filles, vraiment, des fois, vous décarcassez trop, comme on dit. Hein? Voilà, j'ai fait un fond. Vous avez vu?
Hein? On ne met pas d'eau, bien évidemment, avec l'aquarelle liquide de chez Action, puisqu'elle est déjà liquide. Oui, il y en a deux qui suivent. Hein? C'est bien. Voilà. Mais après, voilà, on peut faire un petit fond tout facile. Vraiment. Voilà. Et puis, s'il y a des traces, il y a des traces. Ce n'est pas grave. C'est un fond. Un petit coup de violet. Je rinsouille. Voilà. Et puis, je vais faire un petit bleu. Voilà. J'espère que pour vous, celles qui ont été en vacances, parties en vacances, où j'en ai mis un peu beaucoup. Je vais jamais sécher, je vais éponger un peu, j'ai été un peu trop généreuse. Celles qui ont des enfants, petits-enfants, vous avez bien repris, voilà. Bien repris le rythme, c'est un peu compliqué, les rentrées, hein. On doit organiser les activités extrascolaires, les scolaires, acheter ce qui manque, parce que bien évidemment, il manque toujours un truc, voilà. Alors voilà, j'ai fait mes trois petites pages. Après, je vais prendre mes petits tamponnages que j'ai déjà faits. Et où est-ce que je les ai mis? Ah, c'est ballot. Mes petits tamponnages. Donc, j'ai fait un petit tamponnage en attendant que ça sèche. Un petit ours. J'ai fait un petit éléphant. Et bien sûr, j'ai fait une. Hop, ça, c'est les titres que j'ai déjà faits. Voilà. Et puis le titre, ça sera Circus. J'ai tout pris de cette planche. Donc, j'ai tamponné mes petits. Voilà, vous voyez, ça sèche très très vite. J'attends un petit peu. J'ai tamponné avec ma VersaFine pomme de pin. Voilà, que j'ai acheté chez Keepers. Je vous ai montré l'autre fois. Parce que je trouve qu'elle est. Ça change un petit peu du noir. Voilà. Après, moi, je fais toujours des tamponnages que je mets sur du papier, le même papier d'ailleurs que j'avais sous la main, et je détourne. Voilà. Après, si vous avez d'autres tampons avec des dailles, voilà, vous faites bien comme vous voulez. Moi, c'est vrai que j'aime mieux ne pas tamponner directement dessus. Je trouve que c'est plus, qu'il y a plus de relief. Hop, voilà mon petit éléphant sur sa petite. Sur sa petite estrade. Oui, parce que j'en ai vu hein, des animaux de la savane là. Hein. Il y a vraiment. Ça me fait trop rire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la jungle hein? Dans la jungle, il y a. Tout ce qui dit jungle dit tropical. Tropical dit des beaux oiseaux, des gros perroquets. Des singes, tout ce qui est so toutes les sortes de singes. Le lion, oui, puisque c'est le roi de la jungle, mais voilà. Voilà. Ah, je suis sûr qu'il y en a. Là, c'est ma petite otarie. Je suis sûr qu'il y en a qui vont polémiquer là. Là, il y en a qui vont me dire, oui, mais oh, Camille, on retrouve. Ouais, je sais. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Il y en a qui aiment bien me contrarier. Et puis mon petit ours qui jongle. Donc, je vais pas me laisser les petits ronds parce que je vais quand même pas. M'embêter, je vais les faire. Le plus long, vous avez vu, vous avez remarqué, le plus long c'est. Tadam! Le plus long c'est de découper les petits. Voilà. Et mon petit ours, j'aurais pu y faire avant. Oui. Alors, je vais faire un. J'ai fait mon petit fond. Il est sec, vous voyez, c'est assez rapide. J'utilise un petit pochoir de ceux-là qui viennent de. Voilà, de chez Action, j'utilise celui-là. Et puis, je voulais tester ces embouts comme ça, ronds, que j'avais eu l'autre fois, avec l'eau de Versafine, Versafine gland, vous savez. Ouais.
Je trouve qu'il y a un nom un peu spécial. Donc, je voulais voir, voilà ce qu'il en était. Voilà, vous voyez, je fais juste, pas partout, à quelques petits endroits. Bah, c'est beaucoup plus, c'est vrai, ça je reconnais que c'est plus. C'est plus doux. Ça permet, vous voyez, de faire comme ça. C'est sympa, c'est sympa. Bon, ben voilà, un petit embout. Hop. Et puis, l'avantage hein, de ces verres à fines, c'est que c'est des encres aquarellables. Donc, un petit coup de chiffon, je nettoierai bien, vous voyez. Hop. Et le pochoir est propre. Voilà, donc ça, j'ai fait ça. Après, une fois que c'est sec, je vais tamponner mon petit chapiteau. Donc là, je vais mettre en plus foncé. Comme j'ai été un petit peu. Voilà. J'ai été généreuse sur le marron là. Hein. J'y suis allée. J'espère qu'on le verra un peu, mais c'est en fond. Oui, on le voit quand même bien. Voilà, mon petit chapiteau au sommet. Et voilà, pomme de pin. Donc avec pomme de pin. Voilà, pour faire un petit fond. Et puis après, eh ben rien de compliqué. Je vais mettre mes petits animaux. J'ai tamponné aussi les petites étiquettes Circus qui sont toujours de cette planche que je vais découper d'ailleurs, tant que ça sèche, pour faire le titre. Voilà. Je vous rappelle que il y a beaucoup de mes tutos qui sont, et sont tous répertoriés d'ailleurs, de toute façon ils y sont tous hein, pratiquement, en playlist. Donc essayez de regarder, vous avez toujours plein d'infos. En barre d'infos justement, je vous mets toujours plein d'infos, je vous mets des codes promo quand j'en ai. Je vous les mets, des liens quand j'en ai, je vous les mets. Et puis, pensez bien qu'en ce moment, il y a déjà plein de soldes de pré-Noël, de choses comme ça. Donc, souvent, les codes, vous pouvez aller sur certains sites et vous avez des promotions qui sont des fois plus intéressantes que des codes promo, des fois de 5 euros que je pourrais avoir. J'ai vu l'autre fois, il y avait voilà 20% les week-ends. Essayez de voilà de regarder si vous êtes intéressé par quelque chose. Alors après, je sais pas si vous êtes comme moi parce que moi j'ai un peu de mal à j'ai un peu de mal à attendre. Voilà. Et puis bah, je me suis fait un petit plaisir ce matin. Je me suis fait une petite commande sur la boutique Ephemeria que je ne que je connais pas, que, enfin que j'avais jamais commandé chez eux. Et puis, comme elle m'avait dit qu'elle avait hop, pas mal de Hollen Create. Et effectivement, hein, donc j'ai un petit peu craqué sur plein de petites choses que je vais recevoir. Attendez, faut le temps que. Faut le temps qu'il traite ma commande quand même. Hein. Allez, mon petit éléphant. Alors, toujours ma petite colle Patex qui vient de chez Action qui est là. J'essaye de finir ça. Je vais en mettre une autre. Elle sèche très vite. C'est ça qui est embêtant en plus. Mon petit téléphone. Après. Hop, le petit phoque. Hop, le petit phoque et puis l'ours. Voilà, mon truc, je l'ai mal rebouché. Il est en train de fuir. Je ne sais pas si vous avez
Remarquez, je m'en suis mis plein les mains. Je l'ai re-rempli et du coup, voilà, je l'ai mal. Bon, je regarderai ça après. Donc bien toujours reboucher. Hop. Alors après, moi, je m'embête pas. Il faut que j'accélère un petit coup parce que c'est un peu. J'ai pris, comme d'habitude, vous le savez, j'adore, hein, mes peppermint, deux, trois couleurs qui vont avec le truc. Si vous avez des feutres à alcool, vous prenez des feutres à alcool, bien évidemment. Et puis, je voulais aussi vous montrer. Alors, oui, j'ai rangé ma colle, mais non, j'en ai encore besoin. Je vais la reboucher correctement. Je voulais vous montrer que on pouvait aussi réutiliser nos petits diamants de diamant painting. Vous êtes quand même plusieurs à faire du diamant painting. Bah, pas toutes, hein. Mais du coup, on se retrouve avec plein de petites strass qui nous restent. Et là, je me suis dit, bah tiens, moi j'aurais bien mis des petits trucs brillants un peu. Et en fait, eh ben, en mettant des trucs brillants, alors, je vais coloriser un peu la collerette en même temps, blablatant. J'en ai pas les tout petits petits, j'en ai mais quelques-uns. Et j'en aurais bien mis. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et ben, je me suis dit, mais pourquoi tu fais pas? Déjà, voilà. Ouais, pourquoi t'as pas des petites traces de couleur? Eh bien, si, j'en ai plein, plein, parce que quand on fait des diamants de painting, il vous en reste plein, plein, plein. Donc là, bah, je prends ma colle, je fais des petits. Hop, avec un truc de précision, je fais des petits points de colle. Des petits points de colle sur la petite bandelette en haut, je sais pas si vous connaissez. Je prends mon petit instrument qui peut être exactement. Le touche à tout exactement la même chose. Pourquoi j'avais pris des strass roses, moi, tiens? Eh bien, je vais en mettre un rose, un violet, tiens, pour changer. Et du coup, vous voyez comment. Hop! Ça colle parfaitement bien. Calme. C'est pas que c'est calme chez moi, oui, c'est calme chez moi parce qu'il n'y a personne. Qu'est-ce que ça fait du bien quand ils ont tous repris le boulot, l'école. Oh, qu'on est seul. Oui, je sais, c'est terrible de dire ça. Les vacances, c'est formidable, mais quand ils ont repris et qu'on est en vacances en semaine, c'est quand même super sympa. Regardez. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, si vous voyez toujours mieux que moi avec mon retour. Regardez ces petites strass en haut. C'est pas mignon? Voilà, c'est trop trop joli, moi je trouve. Allez, un petit peu de scotch 3D. Zou. Sur mon petit circus. Il fait gris, il y a du brouillard, hein, pourtant, en plus aujourd'hui. C'est du lumineux, autour du brouillard. Il y a des éclaircies, voilà, c'est comme ça qu'on dit, de temps en temps. Voilà, je fais toujours un petit tour. Et voilà, une petite carte. Voilà, une de terminée. C'est pas beau, ça? C'est magnifique. Bon, si on accélère un petit coup le champignon là pour celle d'après. Hein? Parce que c'est pas le tout, mais après, vu qu'on a des réseaux tous, alors moi j'étais super contente, j'avais un super réseau de 4G, ça marchait vachement bien. Puis là, ils sont en train d'installer autour de chez moi Ah, pas dans mon village, hein, faut pas rêver. Mais la fibre, ça commence dans le village d'à côté. Et ben du coup, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ça perturbe tous les réseaux. Je sais pas ce qu'ils nous font, mais bon, bref. Je crois qu'on est trop.
trop accro et profite en fait de nos téléphones. Ah, est-ce qu'on peut monnaie accro en plus pour partager nos photos, tout ça, hein, et on joue pas même pas de nous qui vont avec nos comment nos téléphones charger les vidéos parce que c'est une catastrophe ça. C'est une catastrophe. Voilà. Hop. C'est une catastrophe. Voilà ma deuxième petite carte. C'est pas joli, c'est pas super facile à faire. C'est pas trop mignon. Hein? Avec ces petites strass. Et vous voyez, on peut faire des fonds hyper faciles. Petite chose super facile. Des mini pocket letters hyper facilement. Pour comment pouvoir échanger avec les copinettes. Ah bah j'avais découpé, mais j'avais dû faire derrière. C'est n'importe quoi, moi. Hop, voilà. Et moi, je respecte le thème, bien évidemment, hein. Je ne vais pas faire. Voilà, moi, j'en ai deux sur trois qui jonglent, hein. Hein, mesdames? Voilà. Zoup. Mon mini, mon touche à tout. Bon, je l'ai l'autre, hein, mais c'est vrai que celui-là, je le laisse du coup à côté. Et je trouve que c'est super sympa, celles qui n'auraient pas vu ma vidéo Diamond Painting. Hein, pour celles qui n'ont pas le touche à tout de chez Stampin' Up. Moi, je l'ai, donc je m'en sers. Mais là, c'est la même chose. C'est encore, c'est plus facile. Il fait la même chose. Il chope les strass et tout. Voilà, il manque plus que la petite collerette. Et on a fini. Oh, elle est trop mimiche. Allez, j'ai fini. Je vous mets des petites photos après, bien évidemment. Hop. Voilà. Ma mini pocket letter pour le défi du mois de septembre. J comme jonglage. Hein? Et ben moi, je la trouve trop mimi, trop facile, vous voyez. Ça vous donne des petites idées pour faire des petits fonds, utiliser ces encres aquarelles vraiment de façon hyper facile, d'utiliser ces petites strass de Diamond Painting si vous en faites. On peut les incorporer très facilement, vous voyez. Et c'est super joli parce qu'on n'en a pas toujours des toutes petites comme ça. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous compte sur vous, les filles qui font partie de mon groupe. De mon groupe Facebook pour me montrer, il y en a déjà pas mal qui en ont fait, hein, les mini pocket letters. Donc derrière, je vous rappelle, qu'est-ce qu'on met derrière les mini pocket letters? Bon, bah, là en plus.
On va mettre des petits tamponnages qui nous restent. Moi, je vais mettre un petit sachet avec plein de petits strass. Je vais en remettre d'autres derrière. On met vraiment des choses très plates. On vaut mieux en faire plein que de vraiment trop garnir pour que ça puisse rentrer dans sa petite lettre facilement. Hein. Et voilà, vraiment super. J'en ai fait une autre. Donc, je vous montre derrière. J'ai déjà mis, vous voyez, des petits tamponnages qui correspondent. Je vais en refaire d'autres. Comme ça, la fille peut refaire une autre créa avec les petits tamponnages. On peut mettre du petit ruban. On peut mettre des petites choses qui sont super faciles. Et puis, mettre un petit washi. Moi, je vais finir en mettant un petit washi là. Super joli. On peut faire un petit bijou d'album. Mais surtout une grande pocket letter. Là, une petite, c'est pas forcément. Mais voilà, je vais le finir. Et puis, comme ça, celle qui gagnera à la fin septembre, je ferai un petit tirage au sort. Et celle, une fille du groupe, gagnera une petite pocket letter. Comme ça, mini pocket letter. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, j'en ai fait une autre. Puisque je vous l'ai dit, au mois d'octobre, il y aura une grosse surprise, même pas octobre, fin septembre, il y aura une grosse surprise où il y aura plein de choses à gagner, mais ben ça, il faudra attendre encore un petit peu. Voilà, en attendant, je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ouverture de courrier, parce que j'ai reçu du courrier. Allez, bisous!